Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On me lit pour le quatrième dimanche de Pâques, fête de Jésus, le bon pasteur. Aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, l'Église nous invite à nous remémorer l'un des aspects des mystères de Christ, l'une des figures avec lesquelles le Christ lui-même a voulu se décrire. L'Église nous propose comme objet de méditation pour aujourd'hui l'image de Jésus comme bon pasteur. Et nous entendrons ce dimanche les paroles de Christ lui-même dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. Je crois que pour comprendre un peu plus profondément ce discours de notre Seigneur sur le bon pasteur, il faut se rappeler qu'immédiatement avant, au chapitre 9 de Saint Jean, a été raconter la guérison de l'aveugle né, à qui le Christ s'est manifesté d'abord comme un grand homme, puis dans toute la plénitude de son mystère comme son Seigneur et son Dieu. Comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin, en guérissant cet homme né aveugle, Jésus a montré à tous les hommes que son enseignement a une puissance illuminative, c'est-à-dire qu'il est venu dans le monde pour enseigner l'homme, pour lui apprendre ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme lui-même, comme l'a récemment si bien répété le Concile Vatican II. Et il a montré, continue à dire saint Thomas, que son enseignement a une puissance illuminative par la guérison de l'aveugle né. Le Seigneur montre ensuite, par les discours du bon pasteur, qu'il a une puissance aussi vivificatrice, c'est-à-dire que Jésus non seulement nous enseigne la vérité de notre nature humaine, de notre destination surnaturelle, mais il nous pousse intérieurement à la mettre en pratique. Il nous donne la force intérieure qui nous permet de lui être fidèles en toutes circonstances. Pour nous expliquer en quoi consiste cette puissance vivifiante qui est la sienne, et comment il nous donne la vie, Jésus nous propose la parabole du bon pasteur. Pour comprendre correctement cette parabole, nous devons prêter attention à une affirmation du Christ. Je suis la porte. Jésus parle des voleurs, des brigands, qui veulent être maîtres du troupeau, mais sans passer par le Christ. Ce sont les faux pasteurs, qui se paissent eux-mêmes, qui veulent enseigner leur propre doctrine, qui n'a pas la puissance illuminative de l'enseignement du Christ, qui veulent proposer leur propre loi, qui n'a pas la puissance vivifiante de la loi du Christ. Les voleurs, les brigands n'entrent pas par la porte. Ils n'enseignent pas le Christ et son évangile et ne se joignent pas à lui, mais s'enseignent eux-mêmes comme étant des pseudo-théologiens et des pseudo-enseignants que nous entendons aujourd'hui, essayant de changer les vérités et les lois que le Christ a données à l'Église et que l'Église a défendues tout au long de son histoire, confiante dans la lumière et la force de son pasteur suprême, de l'unique maître des brebis qui est le Christ. Le Christ, par contre, est le seul à être le pasteur et la porte. Le Christ est le seul maître des brebis parce qu'il les connaît, parce qu'il les appelle par leur nom, parce qu'elles le reconnaissent, l'écoutent, le suivent, et surtout parce que le Christ donne sa vie pour elles. En effet, Jésus-Christ connaît chacun de nous, même nos secrets, et sait qu'il y a au fond de notre cœur. Il sait si nous sommes vraiment généreux de notre temps, de nos biens, de nos talents, ou si nous sommes égoïstes et orgueilleux. Et il appelle chacun d'entre nous. Il nous touche intérieurement, il nous pousse à la conversion par des appels continus au plus profond de notre cœur. Et nous sommes vraiment son peuple, son troupeau, ses brebis, si nous écoutons sa voix et la suivons. Car il ne suffit pas de se dire chrétien, mais il faut savoir se laisser transformer par le Christ en étant fidèles aux exigences de tous ses commandements, à la totalité de ses enseignements. C'est lui qui m'aime, a dit Jésus, garde mes commandements. En bref, l'appel du bon pasteur est l'appel de la croix. Le Christ nous attire tous du haut de la croix,
Son sifflement de pasteur résonne au milieu des martèlements des clous et du tonnerre du ciel par sa mort, pour sa mort au bénéfice des brebis. Écouter sa voix et la suivre, c'est prendre notre croix quotidienne, la simple croix de la prière quotidienne, de la lutte contre la tentation, de la pureté du corps et de l'âme, de la charité du bon exemple. Telle est notre vocation chrétienne, une vocation à la croix, comme celle du Christ. C'est pourquoi je suis venu, pour offrir ma vie en sacrifice pour une multitude. Que la Vierge Marie, Mère du bon pasteur, nous obtienne cette grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.